Les personnels du collège de Longwy sont très inquiets depuis la semaine dernière. Ils ont appris que leur établissement allait accueillir plus de sixièmes que prévu à la rentrée prochaine et donc devoir créer une nouvelle classe. Problème, jusqu'à aujourd'hui, l'Académie de Dijon n'avait pas prévu de leur accorder plus de moyens. Ce qu'on déplore, c'est que finalement, on nous propose de nous contenter du minimum, de vivre avec ce minimum, en espérant que quelques-uns vont pouvoir émerger de la classe, alors que nous, notre mission, c'est de faire réussir tous les élèves. Et pour faire réussir tous les élèves, il faut forcément plus de moyens, selon les professeurs, en particulier dans ce collège où plusieurs équipements et locaux sont vétustes. Pour tenter de trouver une solution, une délégation notamment composée de représentants de professeurs et de parents d'élèves a été reçue cet après-midi au rectorat. Ils sont sortis de leur réunion satisfaits. L'inspection académique a d'ores et déjà répondu favorablement à quasiment toutes leurs demandes. Elle va donner des moyens plus conséquents au chef de l'établissement. Il ouvre une division supplémentaire, il en avait les moyens, puisqu'il avait au départ ouvert une division de troisième. Et puis sur les troisièmes, du coup, les effectifs sont un petit peu chargés parce qu'ils doivent être à 28-29. Donc on a redonné des moyens pour faire des dédoublements. Donc au départ, des dédoublements en sciences physiques. Et puis au bout du compte, on fera des dédoublements aussi sur le français, les mathématiques. Les professeurs du collège sont donc rassurés, même s'ils s'attendent à vivre encore quelques années difficiles avant la construction d'un tout nouveau collège à Longwy d'ici 2020.